Sur le plan du bilan chiffré des résultats obtenus en 10 ans, on ne peut évidemment que se féliciter de l'application de cette loi et reconnaître la force des quotas. Ils ont contribué à faire voler en éclats cette inertie en matière de parité économique qui prévalait dans les instances dirigeantes des grandes entreprises françaises avant 2011. La diversité de genre s'est aujourd'hui imposée au sein des conseils d'administration des entreprises du SBF 120, composé des 40 valeurs du CAC 40 et de 80 valeurs parmi les 200 premières capitalisations boursières françaises. En 2020, la part des femmes dans les conseils d'administration s'élevait ainsi à 46,2%. Le quota de 40% fixé par la loi et qui devait être atteint en 2017 a donc été dépassé. Un bond en avant majeur, puisque ce taux n'était que de 8,5% en 2007, 20,6% en 2011 au moment de l'adoption de la loi et de 38% en 2016, 5 ans après le vote de la loi. La France se situe d'ailleurs au premier rang européen et mondiale en termes de féminisation des conseils d'administration, loin devant l'Italie, la Suède, la Finlande ou l'Allemagne par exemple. C'est un fait. Les progrès les plus importants en termes de diversité de genre dans les conseils d'administration des grandes entreprises cotées ont eu lieu dans les pays qui ont su imposer des quotas. La France reste l'un des rares États à avoir adopté une telle législation contraignante, avec la Norvège qui a pris ce tournant dès 2003, l'Italie en 2011 et la Californie en 2018. On constate également que les progrès sont d'autant plus significatifs que les contraintes imposées sont assorties de sanctions. La loi française avait ainsi prévu le gel des jetons de présence ainsi que l'invalidation de toute nouvelle nomination si l'objectif n'était pas atteint. La Norvège a été jusqu'à menacer de dissolution les sociétés n'atteignant pas les objectifs fixés. Pour aborder la thématique des conditions de l'application de la loi depuis 2011, je me tourne donc naturellement vers Laurence Parisot, qui était présidente du MEDEF au moment de l'adoption de la loi, qui elle aussi a eu une action déterminante. Marie-Jo l'a rappelé, je me souviens d'ailleurs de l'université d'été du MEDEF à laquelle on m'avait demandé d'intervenir aussi pour présenter cette loi. Et je dois dire vraiment, j'ajouterai en conclusion, que vraiment dans le monde entier, l'impact et l'image de la France grâce à cette loi ont été absolument majeurs. Quand, par relative modestie, je disais dans des interventions aux États-Unis ou ailleurs que cette loi avait aussi été initiée en Norvège, on me répondait, mais vous savez, la Norvège, bon, c'est un beau pays, mais ce n'est pas important. Mais quand la France fait quelque chose, là, c'est extrêmement important, c'est reconnu et c'est suivi dans, et admiré dans le monde entier. Il ne faut surtout pas réfléchir une demi-seconde à l'idée de la remettre en cause, cette loi. Je ne savais pas que certains s'étaient interrogés en se disant ben finalement l'objectif est atteint, on n'a plus besoin de la loi. Bien sûr que non, tous les retours en arrière sont toujours possibles. Donc cette loi, elle est fondamentale, cette loi est une réussite et cette loi doit être conservée. J'ajouterais que c'est très vrai ce que vous avez dit, Madame la rapporteure, sur la réputation qu'elle a donnée à notre pays. Et en Allemagne, au même moment, peut-être qu'Angela Merkel s'était posé des questions, mais elle n'aurait jamais pu conduire un texte de loi ou faire approuver un texte de loi de cette nature, car elle aurait été face, je peux en témoigner, à un blocage absolu du patronat allemand. Et au fond, si récemment l'Allemagne vient d'annoncer des mesures tout à fait importantes allant dans cette direction, elle a 10 ans de retard sur ce sujet, l'Allemagne. Pour notre réputation, y compris outre-Atlantique, ça a été une contribution extrêmement positive et tout à fait intéressante. Maintenant, je voudrais ajouter autre chose, qui est mon témoignage, si je puis le dire ainsi, plutôt mon observation,
de sa mise en œuvre pratique. Parce que j'avais la chance d'être dans des conseils d'administration déjà à l'époque, je l'ai été au cours de 6-10 dernières années, et je voudrais que vous sachiez tous et toutes, tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de fréquenter les conseils, mais les conseils ont changé. Mais c'est même à peine croyable, difficile à décrire. Moi, je donnerai quelques caractéristiques de ces changements. La première caractéristique est une caractéristique de style. C'est comme si une légèreté nouvelle était introduite dans les conseils sans pour autant perdre le sérieux des conseils. Il y a avec cette mixité immédiatement un ton différent, un ton plus constructif, un ton apaisé et qui s'autorise une certaine créativité. Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième dimension encore plus importante pour la vie et la conduite de l'entreprise, c'est que les femmes, le fait qu'elles soient en nombre dans un conseil, ça joue aussi. Les femmes apportent un ancrage dans la réalité qui donne une force supplémentaire au conseil d'administration. Car cet ancrage fait que la femme administratrice cherche toujours à être au plus près du réel, au plus près du vrai. Et du coup, je l'ai vu plusieurs fois, elle montre un courage dans des situations difficiles qu'on ne trouve pas forcément dans un groupe de personnes composé exclusivement d'hommes. Ça, c'est la deuxième dimension. Il y a une troisième dimension qui est liée au fait que un groupe mixte, un conseil d'administration mixte, ça introduit une forme de modestie et ça ôte toute dérive de toute puissance. C'est les phénomènes de grosse tête disparaissent, si je le disais d'une manière beaucoup plus directe. Et ça, c'est là aussi, je crois, une dimension assez fondamentale quand il s'agit, pour les grandes entreprises notamment, de prendre des décisions lourdes de conséquences. Et puis, il y a une dernière caractéristique que je voudrais souligner, qui est une capacité chez les femmes à faire le lien entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt général. D'ailleurs, c'est un point à vérifier, je ne sais pas si Marie-Jo Zimmermann, qui a toutes les statistiques à celle-ci, mais il me semble que ce sont en général plutôt des femmes qui président les comités RSE des grands groupes au sein des conseils d'administration. Et c'est pas simplement parce que voilà, ça arrange tout le monde que ce soit une femme, c'est parce qu'elles savent mieux que beaucoup d'autres prendre en main cette dimension de responsabilité sociale et environnementale, tout en la rendant compatible avec l'intérêt social propre à l'entreprise. Cette sensibilité sociétale, vraiment, c'est un plus qui est donné à nos entreprises. Et je voudrais dire, je le vois vraiment dans mon métier aujourd'hui, je préside une banque d'affaires, alors qu'aujourd'hui, dans le monde de la finance, tout le monde travaille intensivement sur les questions de critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. De ce point de vue-là, les entreprises françaises ont sur l'entreprise américaine ou anglaise ou allemande des
des années-lumière d'avance. Et je n'exclus pas que cette présence féminine dans les conseils soit un des facteurs qui explique cette avance française qui est reconnue par les Américains eux-mêmes. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais évidemment, comme vous toutes, parler des heures sur ces sujets, mais je conclurai en renouvelant mes remerciements à vous qui avez organisé ce débat, cette table ronde, mais surtout à Marie-Jo Zimmermann. Vraiment, chapeau bas. Comme elle l'a rappelé, ce n'était pas du tout aussi évident que ça ne pourrait l'être aujourd'hui. C'est une contribution majeure à la cause des femmes qu'elle a apportée avec ce texte et une contribution majeure à notre pays. Je pense que l'étape naturelle prochaine, c'est évidemment des quotas dans les comités exécutifs ou comités de direction. Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute et je crois même l'avoir dit dans mes dernières années à la tête du MEDEF. Et je dirais que c'est quelque chose qu'il faut probablement introduire dans un outil législatif, même s'il y a déjà quelques recommandations. Mais il est évident que les quotas ont un effet bénéfique, c'est ce que je viens de dire. Et deuxièmement, on avance sur les grands sujets qu'à partir du moment où on peut les mesurer. Et donc si on rentre dans cette logique de la mesure de la part des femmes dans les comités exécutifs, eh bien il est évident qu'on fera des progrès, même si certains sont faits actuellement. D'ailleurs, je voudrais dire que ce n'est pas rien. Si en France, une femme aujourd'hui est directrice générale d'un des plus grands groupes énergétiques au monde, je pense à Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie, ça c'est tout à fait exceptionnel, mais encore plus symbolique, je dirais, et historique, et qui, à mon avis, illustre parfaitement les progrès accomplis par la France, c'est le fait que dans quelques semaines, une femme, Barbara Dalibard, va être nommée présidente d'un des plus grands groupes industriels au monde et qui fait vraiment partie du patrimoine économique français, je pense à Michelin. Et si vous regardez l'histoire de Michelin, qui a toujours été une histoire exclusivement masculine, c'est vraiment absolument hors norme et remarquable qu'aujourd'hui, Michelin choisissent une femme comme présidente. Merci de votre attention. Merci infiniment, Madame Parisot, pour ces témoignages. Je passe immédiatement la parole à Anne-Françoise Bender, maître de conférence en sciences de gestion au CNAM, qui va nous proposer aussi cet éclairage international et nous présenter les enjeux de l'application de la loi ainsi que les leviers d'action les plus efficaces en faveur de la parité économique. La parole est à vous, Madame Bender. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. Donc, moi, j'enseigne la gestion des ressources humaines au Conservatoire des Arts et Métiers. Mes recherches portent sur la gestion des carrières, la gestion de la diversité et également les profils donc, des femmes dans les conseils d'administration. Je voulais tout d'abord signaler que, évidemment, cette loi est assez exceptionnelle, mais qu'on est un petit peu au milieu du guet. Enfin, je voulais signaler qu'il y a deux rapports excellents qui ont été fait en 2019, hein, de 200 pages chacun environ, sur l'application de la loi, sur les enjeux. Donc évidemment, je ne les reprendrai pas ici, vous en avez connaissance. On sait qu'il y a eu des bons chiffres dans les sociétés cotées, les grandes sociétés, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de progrès à faire au niveau des sociétés non cotées. On est finalement un petit peu au début quand même de l'aventure. Donc moi, je voulais simplement souligner trois aspects, revenir sur la dynamique internationale et pas seulement européenne, montrer quand même dans cette dynamique internationale la persistance du plafond de verre, notamment dans les comités de direction. En deuxième point, je voulais rappeler les quelques difficultés structurelles que rencontrent les femmes dans ces univers, puisque c'est un petit peu mon rôle ici, je pense. Et puis, en dernier point, donc, revenir un petit peu sur ce qu'on peut faire en France.
Mais ça, ce n'est pas évidemment de mon ressort. Donc, sur la dynamique internationale, je voulais bien sûr rappeler que c'était une dynamique européenne. Hein, on a parlé de la Norvège. Il y avait une directive européenne qui était en cours de réflexion. Et, bon, et c'est aussi une dynamique mondiale initiée aux États-Unis, hein, bien sûr, par les lois antidiscrimination dans les années 60-70. Donc, les entreprises américaines, depuis 40 ans, ont encouragé les progressions de carrière des femmes bien davantage que les entreprises françaises ou européennes dès les années 80, puisque donc elles étaient soumises à cette loi. C'est donc une préoccupation ancienne et c'est sans doute aussi, enfin ancienne à l'échelle de 40-50 ans, et c'est aussi pour ça sans doute que les entreprises européennes ou françaises étaient déjà un petit peu acquises finalement, même s'il y a eu des résistances, hein, au fait que bah oui, les femmes étaient là, elles étaient éduquées, compétentes, elles avaient des aspirations de carrière et effectivement, elles ne pouvaient plus continuer à se priver des talents de la moitié, finalement, presque de la population active. Donc, c'est un enjeu de bonne gouvernance maintenant, donc depuis une vingtaine d'années, les places financières du monde entier scrutent les politiques RH des entreprises et sont attentives au fait que les entreprises cotées savent reconnaître les talents féminins dans leurs équipes. Ça, c'est le contexte un petit peu mondial et ça s'est étendu aussi à d'autres pays. Néanmoins, malgré ce contexte, on a une progression des femmes dans les postes d'encadrement au niveau mondial, en particulier aux États-Unis. On est peut-être à environ 30%, ça dépend des secteurs. Mais par contre, on a toujours ce plafond de verre qui semble être une espèce de loi d'airain autour des 11 à 18% selon les tailles des entreprises, selon les secteurs. Et également ce plafond de 20% dans les conseils d'administration des pays qui n'ont pas légiféré. Donc, c'est bien l'enjeu maintenant, hein, c'est finalement l'accès à ces positions de direction. Et en cela, la loi Copé-Zimmermann, bien sûr, est une loi tout à fait importante. Alors, pourquoi est-ce que c'est toujours assez difficile de percer ce plafond de verre, malgré les compétences, les qualifications des femmes, leurs aspirations de carrière? C'est un peu deux processus, c'est qu'on nomme toujours davantage de femmes dans les postes de direction, et les femmes aussi elles-mêmes, bien souvent, sont réticentes parfois à postuler dans ces postes. Donc je rappelle hein, ce qu'il y a dans les rapports. C'est toujours difficile parce que les réseaux sont toujours essentiellement masculins, notamment dans les entreprises des secteurs à prédominance masculine. Et donc les hommes, par des phénomènes naturels, tout au long des carrières, continuent de se coopter, des affinités, de l'entraide, du mentorat. Il faut des politiques affirmées, RH, qui incluent des viviers, des jeunes femmes ou des femmes dans les viviers de potentiel. Sinon, la reproduction homosociale, finalement, continue de fonctionner d'une manière assez naturelle. Et c'est un petit peu un cercle vicieux parce que ça entretient des cultures, justement, assez virilistes, pourrait-on dire, enfin, ça dépend des secteurs, mais dans lesquels les femmes ne vont pas naturellement peut-être se projeter ou en tout cas avoir des aspirations de carrière pour rejoindre ces milieux. Donc, ça, c'est bien l'enjeu hein, de diversifier les réseaux de pouvoir et l'enjeu de la mixité. Et puis, c'est également des investissements très coûteux pour des femmes qui peuvent avoir des charges de famille, qui n'ont pas nécessairement le temps d'aller faire du réseau, créer du réseau, investir dans les temps off pour augmenter leur capital social. Donc, les rapports mentionnent aussi toujours un certain type parfois de comportement. Les femmes étant plus récentes dans ces univers, en minorité, on scrute davantage leur comportement. Elles sont souvent davantage exposées à certaines critiques ou à certaines attentes. Donc ce ne sont pas des univers toujours aisés et ça demande effectivement une certaine lutte. Donc ça, voilà, ça explique que ce plafond de verre est quand même assez difficile à percer. Il y a aussi le fait que les femmes vont avoir des carrières, mais peut-être dans des secteurs moins stratégiques, plutôt support. Et l'accès aux postes d'encadrement opérationnel, stratégique, parfois assez difficile. On connaît bien sûr toujours les normes importantes de présentéisme, de disponibilité que demandent encore certains univers.
et ce n'est pas toujours compatible avec le travail parental que continuent d'exercer certaines femmes. Donc, tout ça, c'est des choses bien connues. C'est juste pour rappeler que ce n'est pas du tout évident que les jeunes femmes seront plus nombreuses à l'avenir à percer ce plafond de verre parce que ce sont des difficultés un peu structurelles qui vont rester. Alors, il y a des signaux positifs, hein. On a davantage de femmes diplômées d'écoles d'ingénieurs et ça, c'est vraiment important parce que c'est l'accès justement à des positions d'encadrement opérationnel. On a également davantage de femmes cadres dans beaucoup de secteurs. Il y a par contre des signaux inquiétants, c'est on a très peu de femmes dans le secteur informatique et ça, c'est effectivement les métiers de l'avenir, enfin les métiers actuels, les métiers de l'avenir. Il y a un gros, gros enjeu au niveau des pays à encourager fortement la présence des filles dans ces filières et encourager les secteurs des techs à promouvoir, recruter et promouvoir davantage de femmes. Alors, en conclusion, un petit peu sur la situation française. Enfin, en tout cas, en France, rien ne se passait. Hein, Madame Parisot, Madame Zimmermann l'ont rappelé avant la loi. On stagnait toujours à 6 ou 7%. Pourtant, les femmes étaient là. Elles étaient déjà diplômées des grandes écoles. Elles avaient déjà des carrières. Elles étaient déjà directrices marketing, financières, etc., stratégiques, directrices générales. Donc, la loi a débloqué cet accès, mais je pense surtout dans les grandes entreprises cotées, parce que ces entreprises sont scrutées par les analystes, justement, des notations extra-financières qui viennent compter les femmes. Et donc, où sont les femmes? Alors, donc, on en a deux, c'est bien, elles sont là, et on risque quand même de plafonner à 20%, parce qu'on va dire, ben, deux, c'est bien, voilà, 20%, on est dans les normes internationales. Et il y a des clubs, il y a des anglo-saxons qui ont fait le club des 30% en disant ben, quand est-ce qu'on va atteindre 30% donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'on est quand même un peu au début de l'aventure, hein, au milieu du guet. Donc dans les comités de direction, on a quand même sans doute le risque en France de plafonner. On est quand même passé de 7% en 2014 à 18%, ce qui n'aurait sans doute pas eu lieu sans la loi et sans les agences de notation extra-financière, puisque les bourses maintenant scrutent cette indication. Que peuvent faire les gouvernements? Bah, certainement pas enlever les lois, mais sans doute peut-être légiférer sur la question. Ou je voudrais juste terminer par l'exemple britannique. Alors, je lisais aussi dans les rapports que les pays qui n'ont pas eu de loi ont quand même progressé sur les conseils d'administration, mais ils ont progressé sous la menace d'avoir une loi. C'est bien parce qu'il y a des lois que les pays qui n'ont pas de loi ont progressé, puisqu'on leur a dit, si vous ne progressez pas au niveau des entreprises, vous aurez une loi. Donc les lois agissent aussi sur les pays qui n'ont pas de loi. Bon, les Britanniques ont proposé une charte, ce que je trouvais très intéressante. Le ministère des Finances sous Theresa May a demandé aux entreprises de la City de s'engager officiellement sur le recrutement, enfin la promotion et l'accompagnement des carrières au poste de direction des femmes. C'est une charte qui s'appelle Women in Finance. Et 330 entreprises, enfin plus de 300 entreprises l'ont signé. C'est du comply or explain, hein, appliquer ou expliquer. Et le ministère des Finances se l'est appliqué à lui-même et ils sont maintenant à parité en 2019 dans le Treasury. Donc je trouvais que c'était un exemple intéressant de ce qui pouvait être fait au niveau d'un gouvernement. Mais ça ne s'applique là que pour le secteur financier. Donc, je conclurai juste sur le fait que ce que disent les rapports hein, de 2019, c'est qu'en France, il y a probablement beaucoup d'entreprises qui connaissent mal les lois, cette loi ou les différentes lois, et qu'il faudrait déjà, sans doute, peut-être déjà communiquer davantage sur les obligations des entreprises et les sanctions, puisque le quota n'est pas atteint dans un grand nombre d'entreprises. Hein. Peut-être aussi, bien sûr, toujours continuer d'agir de manière systémique et beaucoup plus forte sur l'éducation, la mixité des métiers, l'accès des femmes aux positions de tech, d'informatique, que les écoles d'informatique cherchent des filles pour changer ces images de ces métiers.
changer aussi, bien sûr, et continuer aussi de changer un peu l'image du pouvoir, les images des femmes et des hommes dans les médias et les productions culturelles. Dans les PME où cette loi ne s'applique pas, moins de 18% des femmes sont représentées. Ce chiffre est à prendre avec précaution car dans certains cas, cela peut être encore moins. Il est impossible, en tout cas aujourd'hui, de rendre compte d'un chiffre précis. Aucune statistique ne le permet vraiment. C'est un premier constat, une première insuffisance. Et puis deuxièmement, c'est le point le plus important peut-être, mais quand il n'y a pas de quota, la part des femmes reste en deçà de 20%. Le cas des PME montre bien la limite des pratiques d'autorégulation. Il faut ainsi favoriser la transformation des mécanismes d'autorégulation dans le sens d'un renforcement des objectifs de parité et étendre cette politique aux PME. Autre point, les femmes ne sont que 18,2% dans les COMEX et les CODIR au sein du CAC 40 en 2019. Très légère amélioration, si je puis dire, car elles n'étaient que 7% il y a 10 ans. Les mentalités évoluent, les choses changent, mais lentement. Le ruissellement tant attendu ne s'est malheureusement pas produit. Et ce fameux plafond de verre est toujours infranchissable. Alors quand il n'y a pas de quota, la parité s'arrête aux portes du vrai pouvoir. Le comité stratégie du conseil, là où se prennent les décisions pour l'entreprise, est encore très largement composé d'hommes, contrairement au comité RSE, moins impactant et majoritairement composé de femmes. Elles ne sont que deux, donc je vais les citer. Il y a la PDG d'Eramet et de l'entreprise du CAC 40, Isabelle Cochère, qui est DG d'Engie depuis 2016. Donc, non, elle a changé qu'elle a changé. Mais c'était en tout cas... Ah, non, elle n'y est plus. Hein. Oui, mais je veux dire, c'était deux femmes d'entreprise qui sont arrivées à la suite de... Enfin, c'est les deux premières, en tout cas, oui, emblématiques. Oui, mais Laurence Parisot a précisé qu'aujourd'hui, il y en avait quand même une autre. Oui, assez non, récente c'est ça, non, qui mais, est arrivée. Non, je pense que... Non, le problème d'Isabelle Cochère a été assez douloureux à vivre, donc je pense que faut lui rendre hommage, mais aujourd'hui elle n'y est plus, malheureusement. Non, mais ce que vous direz, c'est ouais. À la date du rapport. En fait. Oui, mais on actualise. Donc, où j'en étais, je ne sais plus. Donc, dans le rapport du HCE, un point mérite une attention particulière, c'est celle du sexisme financier. Les femmes voient leur demande de crédit rejetée deux fois plus souvent et reçoivent deux fois et demi moins de financement que les hommes. Moi, j'ai pu le constater, c'est juste une petite aparté, mais en ce moment, il y a le Vendée Globe, cette course qui se déroule tout autour du monde, et on a une navigatrice dans les Alpes-Maritimes qui s'appelle Alexia Barrier, et que j'ai essayé d'accompagner en tant qu'élue le plus facilement possible. Et c'était un vrai parcours du combattant pour elle de pouvoir être recevoir dans ce milieu, comme dans beaucoup, hein, qui est un milieu assez masculin, et c'était vraiment le parcours du combattant dont j'ai été le témoin et qui a vraiment eu du mal à obtenir des partenariats, des partenaires et du mécénat. Un constat troublant place dans cette situation compliquée les femmes qui souhaitent ou ont fondé aussi leur start-up ou en entreprise. Ça, c'est vraiment lors des auditions au sein de cette commission de la parité, c'est vraiment ce qu'on a pu constater, un frein supplémentaire dans un parcours déjà semé d'embûches. Alors ici encore, les chiffres sont éloquents et l'on constate que le sexisme financier ne faiblit pas au fil du temps malgré nos efforts. Alors, le HCE propose d'aller plus loin et souhaite premièrement le financement public de l'innovation par BPI France, que soit conditionné au respect par les entreprises ou par les fonds d'investissement de règles paritaires, puis que c'est à hauteur de 30% dans leurs instances de gouvernance et de direction. Et deuxièmement, l'insertion d'une clause alternative établissant à 30% le pourcentage de femmes devant être au sein de l'entreprise détentrice de capital. On ne va pas revenir sur l'efficacité de la politique des quotas, mais je pense important de rappeler et de souligner l'une des préconisations également mises en avant par le HCE. Je parle de l'importance de prendre le problème en amont. Donc l'action de l'État doit contribuer à défaire ces mythes pour que le parcours scolaire, universitaire et professionnel de chaque femme soit imprégné des mêmes rêves et ambitions que ceux des hommes. Il faut valoriser en incitant plus fortement les jeunes filles à investir des secteurs composés aujourd'hui encore majoritairement d'hommes. Tout passe par l'éducation, qui est le vecteur principal et essentiel pour que le changement de mentalité puisse se faire dans les meilleures conditions et le plus rapidement aussi. Et pour cela, il faut donner des outils aux jeunes filles afin qu'elles osent sans crainte, encore moins si elles tiennent à leur sexe, et surtout qu'elles comprennent qu'une femme doit évoluer dans sa carrière en étant soumise aux mêmes conditions que les femmes. Anne-Françoise Binder disait, en parlait à l'instant justement de l'importance de traiter le problème dès le plus jeune âge. Et je pense aussi que les politiques publiques doivent se concentrer aussi dès le plus jeune âge à non pas former mais sensibiliser les nouvelles générations, à notamment par exemple la mixité des métiers. Il faut donc déconstruire les mentalités pour rebâtir des objectifs.
Donc pour conclure mon intervention, je voudrais citer quelques-unes qui, à mon sens, de propositions qui s'inscrivent totalement dans la continuité de nos échanges sur les évolutions de cette loi. Donc premier objectif, c'est de conforter la parité au sein des conseils d'administration et de surveillance. Il faut maintenir l'objectif des 40-60% sans toutefois prôner une parité stricte de 50% qui, en raison d'obstacles juridiques et techniques, est difficilement faisable. Et deuxième axe de réflexion à aborder, l'extension indispensable des objectifs de parité au COMEX donc, et au CODIR, on l'a dit à l'instant. Dernière mesure, peut-être la nécessité de conditionner l'obtention de financement public de l'innovation à la proportion de femmes représentées au sein des instances de gouvernance et de direction parmi les détentrices de capital. Voilà à peu près les propositions du HCE qui a essayé de travailler sur le bilan de l'évolution de cette loi. Et voilà, et nous, en tant qu'élus dans l'égalité professionnelle, économique, on s'évertue aussi à travailler sur l'égalité dans le monde de la politique que vous toutes vivez aussi. Et donc, il semblerait qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre ces deux milieux qu'il convient de continuer, en tout cas, à travailler et à faire évoluer en passant, malheureusement ou heureusement, par la loi. Vous savez, sur le terrain de l'entreprise, moi, ça fait presque 30 ans que je suis sur le terrain de l'entreprise, plutôt dans les entreprises internationales. J'ai toujours travaillé pour des entreprises internationales, American Express, IBM, Lenovo. Et en fait, depuis toutes ces années, je me bats justement pour l'égalité et pour l'équilibre, en fait. Je dirais que, d'ailleurs, on ne parle pas de parité parce qu'on sait que dans ce secteur-là, technologique et scientifique, en effet, on part tellement avec une base tellement faible que, en effet, on parle de la mixité. Mais je voudrais aussi saluer l'impact de cette loi au-delà des chiffres, et on peut être très très fiers des chiffres, vous l'avez tout dit, mais de ce que je dirais de l'impact, de l'engouement, le terme a été utilisé, de cette conviction qu'en fait, en effet, on pouvait être fiers de ces avancées. Et je me souviens, c'était d'ailleurs au Women's Forum il y a à peu près 10 ans, quand la loi a été annoncée, mes collègues étrangères, américaines et chinoises, qui n'en revenaient pas et qui disaient « Mais comment vous allez faire ça ?» avec une petite pointe d'envie, je dirais, de savoir qu'en effet, cette loi est mise en place. Alors, moi, je pense aujourd'hui aussi qu'en fait, on est aussi à un moment charnière. Je pense que le fait que cette célébration, Madame Zimmermann, de cette loi est une formidable opportunité pour nous, les acteurs, les actrices de la société civile, pour l'État, pour tous les moyens de pression, pour faire en sorte qu'on puisse continuer justement à avancer. On a prouvé que les quotas, que l'obligation à un moment donné gouvernementale de l'État fait avancer plus rapidement. Ceci étant, on sait que la loi, ce n'est pas suffisant. Et en effet, c'est cette conjonction, moi je parle toujours d'un cercle vertueux qui va combiner, c'est une volonté politique forte qui s'exprime évidemment à travers la loi, mais aussi un engagement de la société, une pression sociétale, et puis cet enjeu de performance économique. Heureusement, aujourd'hui, grâce justement à toutes les études qui ont été faites, portées par le Women's Forum, avec évidemment toutes les études de l'OCDE, de McKinsey, je dirais qu'aujourd'hui, on n'est plus trop obligé dans les entreprises d'expliquer que la mixité, c'est un facteur de performance économique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est maintenant, je dirais, acquis. On n'est plus sur ce stade-là. Maintenant, on est plus sur comment faire, en fait, pour attirer les talents, notamment dans les secteurs où les femmes sont en minorité, et comment faire pour arriver justement à cette mixité. Et après, il faut attirer les femmes, mais après, il faut les faire monter. Et la difficulté de les faire monter, si en effet, à un moment donné, il n'y a pas une obligation, c'est qu'on va toujours trouver, même si vous avez un dirigeant qui est tout à fait, je dirais, convaincu par la cause, mais il y aura toujours quelqu'un dans le middle management qui ne va pas prendre la bonne décision, il y aura quelqu'un au recrutement qui ne va pas recruter la bonne personne, il n'y aura pas tous les moyens qui sont mis en place, et s'il y a justement ces objectifs chiffrés et qui sont mesurés et avec des sanctions qui sont contrôlés, je dirais, nous, on va continuer à travailler dans nos réseaux. Ça fait 20 ans que, en effet, j'ai eu la chance de pouvoir participer à la création du premier réseau, l'un des premiers réseaux d'entreprises chez IBM, en effet, un peu par l'influence anglo-saxonne. Bon, aujourd'hui, IBM est dirigé par une femme. Il y a une femme CEO très emblématique, Gianni Rometti, et le comité est paritaire, le comité exécutif paritaire. Alors, je ne dis pas que... après, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que quand il y a des entreprises aujourd'hui qui sont très engagées, elles arrivent à des résultats. Mais c'est au bout de 20 ans.
Hein. Donc on se dit que quand même, on aimerait aller un petit peu plus vite. On va d'ailleurs, avec le Cercle Interrel, qui est un réseau, deux réseaux d'entreprises, dans une quinzaine de grandes entreprises dans le secteur technologique et scientifique, françaises et étrangères, on va justement fêter nos 20 ans le 4 mars. Et alors, il est vrai que quand on regarde, il y a quand même, bon, la coupe, je dirais, le verre est à moitié plein. Il y a eu plein de choses extraordinaires. Bon, ceci étant, on se rend compte encore, là, les chiffres sont là, que vraiment, le plafond de verre et cet accès aux postes de responsabilité, on est en moyenne 20% de cadres dirigeantes. Donc, évidemment, c'est pas assez. Alors, certes, on est sur une base de 30% de femmes. Alors, c'est clair que c'est plus compliqué d'avoir 50% de femmes dans ces secteurs. Mais, ceci étant, je pense qu'aujourd'hui, il y a une impulsion forte. Et ce qui est très important, et le thème de notre table ronde, c'est sur les réseaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un pléthore de réseaux. Et moi, ce que je voudrais dire pour les personnes qui nous écoutent, et surtout les jeunes générations, prenez du temps pour aller dans des réseaux. C'est très important. Pourquoi ? Vous savez, les réseaux professionnels, c'est assez récent. Les femmes, c'est vrai pour des tas de raisons, vous l'avez dit, par manque de temps, par le fait aussi qu'elles ont tout le syndrome de la bonne élève. Elles disent, bah oui, finalement, si je travaille bien, bah, je vais avoir le bon poste, je vais décrocher le bon poste, on va reconnaître mes talents. Non pas dans le passé, dans la tradition, comme les hommes. Les hommes, ils sont naturellement en réseau. Le sport, l'école. Bon, les femmes, il faut un petit peu les inciter, leur montrer l'importance que c'est du temps professionnel. C'est le temps libre qui est dégagé pour aller dans un réseau. C'est quelque chose qui est important. Et il y a cette prise de conscience aujourd'hui. Et nous, je dirais, les seniors, on invite justement les jeunes femmes à aller dans ces réseaux parce que ce sont des véritables lieux d'apprentissage. C'est des lieux qui permettent aux jeunes femmes, notamment quand des entreprises, de décrypter un peu les codes de l'entreprise. C'est un lieu qui est un lieu de liberté de parole, hors hiérarchie. Et évidemment, les entreprises ont bien compris que c'est aussi une plateforme très innovante parce que qui est force de proposition. Et on voit aujourd'hui, il y a toute une série de réseaux, les réseaux internes des entreprises, les réseaux professionnels. Et là, en cette période de crise, ben je dois dire que c'est pour toutes celles qui sont dans des réseaux, on a passé notre temps à visioconférence. Et c'est très important parce que là, c'est réellement ce qu'on appelle la solidarité, la sororité. Et je pense qu'aussi, il faut faire très attention aux pièges dans lesquels on nous enferme, sur ces stéréotypes, en pensant que les femmes, justement, sont compétitives les unes envers les autres. Ça, vraiment, c'est quelque chose, il faut faire attention à ça, parce qu'il y a toujours le moment, on va dire, bah oui, de toute façon, celle-ci, elle est un petit peu agressive. Et en fait, je crois que les réseaux et la multiplication des réseaux est la preuve, justement, de cette sororité et de ce sentiment d'être unis, en fait, ensemble. Alors, ces réseaux féminins, ce sont des réseaux aussi mixtes. Hein. C'est-à-dire, je ne veux pas oublier les hommes. Et d'ailleurs, il y a d'ailleurs un mouvement où on voit qu'il y a énormément d'hommes aujourd'hui, de plus en plus, qui soutiennent ces réseaux, qui font partie prenante. Parce qu'évidemment, comme c'est quand même eux qui ont le pouvoir dans la majeure partie des cas, c'est vraiment important de les avoir avec nous. Et il y a des tas d'hommes champions, le CEO de champion d'ailleurs, où moi, j'emmenais tout le temps mes dirigeants pour qu'ils soient bien, je dirais, imprégnés de l'importance de ce qu'ils devaient faire, est un bon signe. Et alors, en plus, aujourd'hui, ce qui est intéressant dans les réseaux, c'est qu'on voit une sorte de rassemblement aussi de collectifs. Donc, moi, depuis 4 ans, dans le sillage d'ailleurs de Laurence Rossignol, quand elle avait réuni une quarantaine de réseaux de toutes sortes, c'est-à-dire des réseaux qui s'occupent de la lutte contre l'excision, comme le mien, qui est sur l'égalité pro, ou des réseaux dans la culture, pour travailler autour du sexisme. Et en fait, c'est intéressant de voir que quand on réunit toutes nos forces, toute notre synergie, toutes nos énergies pour lutter quand même contre le sexisme, et là, évidemment, avec tout ce qui a été fait, notamment par Brigitte Grésy, bien sûr, pour vraiment mettre l'accent sur le fait que le sexisme, c'est la pierre angulaire qui légitime toutes les inégalités, nous, dans les entreprises. Pourquoi, dans le secteur scientifique et technologique, on n'arrive pas à recruter des femmes? Je crois qu'il y a une étude de GenderScan qui montre que 40% de femmes qui sont diplômées de STEM partent de cette filière-là. Ce n'est pas parce que le métier ne les intéresse pas, c'est parce qu'à un moment donné, le déséquilibre de genre est tellement fort que, quelles que soient les formations d'ailleurs que l'on fait contre le sexisme, contre les biens inconscients, il y a cette prédominance masculine, cette culture en fait, qui crée des stéréotypes, qui crée des comportements dans lesquels l'autre sexe, qui est en minorité, ne se sent pas à l'aise. Et du coup, c'est important, c'est pourquoi moi je suis engagée dans ce collectif, d'ailleurs Jean, qui va organiser sa 4e journée nationale contre le sexisme le 25 janvier. Et on parlera des violences économiques. Autre collectif aussi important qui vient de
se créer, c'est TOUGAP, qui réunit une quarantaine de réseaux du secteur public et privé. Et ça, c'est aussi intéressant. Je suis aujourd'hui au Sénat, je dois vous dire que je suis très émue et honorée d'être ici au Sénat. Et en travaillant avec les femmes de la haute administration, je vois combien, en effet, on a intérêt à travailler ensemble, parce que finalement, on est confronté au même problème, ce plafond de verre, même si c'est vrai, dans le privé, pour des tas de raisons, notamment des raisons économiques, de la pression aussi de la productivité, fait qu'il y a ce besoin de mixité qui fait que les entreprises ont été parfois en avance sur seulement des politiques d'égalité pour permettre d'attirer plus de femmes, bon, notamment dans les secteurs où j'ai travaillé. Mais alors aujourd'hui, c'est vrai, les réseaux, en fait, il y a trois grands axes. C'est un, tout ce qui développe les talents féminins, c'est-à-dire le développement personnel, tout ce qui est autour de la visibilité, ce que fait de façon excellente le Women's Forum en mettant en visibilité les femmes hors potentiel pour qu'on ne puisse pas dire, ben, en effet, non, il n'y en a pas. Et puis, il y a un deuxième pan, je dirais, d'activité très important, c'est tout ce qui favorise justement la mixité, la culture inclusive. Et là, c'est le maître mot aujourd'hui, c'est l'inclusion, la lutte contre les discriminations. Et évidemment, bon, on applaudit le congé paternité, mais on aimerait qu'il soit un peu plus long, parce qu'il y a quand même d'autres, on n'est pas... Enfin, c'est très bien, c'est un premier pas. Et toutes ces formations qui sont faites aujourd'hui, des formations au sexisme, vous savez, il y a aujourd'hui, dans des grandes entreprises, je citerai EDF, par exemple, fait partie du cercle Interrel, il y a des veilles téléphoniques, des veilles de contre les violences sexistes. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, vous voyez, il n'y a plus la barrière, finalement, entre la vie professionnelle et la vie privée. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans le télétravail, l'entreprise, elle est responsable, finalement, du bien-être de ses employés dans l'ensemble de son écosystème. Et quand on parle de sexisme, c'est pas simplement le sexisme dans la vie professionnelle. C'est aussi le sexisme dans son ensemble. Et puis, la dernière chose, c'est évidemment de mesurer les progrès. Enfin, ce sont les réseaux qui sont un petit peu des outils comme ça et des incitateurs et qui cristallisent et qui poussent les directions à ce qu'il y ait des objectifs chiffrés. Alors évidemment, quand les objectifs chiffrés sont imposés, alors chaque entreprise va donner ses objectifs, mais quand, je dirais, on a la chance, et en fait pour moi c'est une chance de pouvoir qu'il y ait une loi qui puisse imposer des objectifs chiffrés, certes qui doivent être réalistes, parce qu'autrement il est clair qu'il y aura toujours des moyens de et surtout, un, que ça soit réaliste, deux, que ça soit mesurable et qu'en effet que ça soit contrôlé. Mais je pense qu'aujourd'hui, évidemment, cette loi a été formidable au-delà de, je dirais, des chiffres, et c'est ça qui est important, ça crée une profonde révolution et ça a donné confiance aussi. Ça a donné confiance aux femmes dans ces entreprises-là et qui, en effet, sont fières de savoir que cette entreprise, elle a tant de femmes au conseil d'administration. Évidemment, elle a créé des frustrations parce que finalement, on avance, mais en même temps, on se dit qu'aujourd'hui, je pense que l'étape est là. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir que je partage avec toutes les femmes et les hommes qui sont dans l'entreprise, qu'en effet, on ait une loi des quotas dans les comités exécutifs et les propos de Bruno Le Maire sont encourageants. Bon, Elisabeth Moreno, évidemment, qui connaît bien le monde de l'entreprise, nous savons que nous pouvons compter sur ce soutien. Je pense que, en effet, bon, il y a justement cette petite compétition avec l'Allemagne en disant, bah, tiens, finalement, l'Allemagne, mais bon, ça, on ne peut pas comparer, je suis entièrement d'accord avec vous, on a quand même 10 ans d'avance sur l'Allemagne, et même en termes de mentalité. Mais je pense qu'on est à un moment clé. Et donc, je voudrais vous dire que vous qui êtes, je dirais, dans les instances de pouvoir de l'État, vous pouvez compter sur les réseaux, vous pouvez compter sur les entreprises, vous pouvez compter sur les dirigeants qui sont aujourd'hui, les dirigeants et les dirigeantes, qui sont convaincus de l'importance de la mixité. Pour aussi, et là, ce serait avec mon expérience de communicante, c'est un enjeu de réputation fondamental pour les entreprises. Aujourd'hui, je dirais, si on veut avoir les meilleurs talents, en fait, les jeunes, aujourd'hui, choisissent les entreprises en fonction, justement, de leur réputation, en fonction de leur politique aussi, par exemple, vis-à-vis du congé, enfin, même le congé paternité. Moi, j'ai des gendres qui, en effet, ont pris des congés paternité, font partie, il y en a un qui fait partie d'une société
de la nouvelle économie, qui en effet, il y a une bataille, vous savez, pour les jeunes talents. Et je pense que les entreprises, ce sera peut-être pas simple à organiser, mais les entreprises vont, moi je vois en fonction de ce que, du travail quotidien, avec notamment les entreprises du cercle Interrel, peut-être parce qu'elles sont dans un secteur où c'est tellement difficile de faire venir des femmes, elles seront prêtes, je dirais, à avancer en sachant que de toute façon, c'est un objectif sociétal et c'est un objectif de l'État. Et ça permettra surtout de mettre la France, comme tu disais, championne du monde. Enfin, je crois que l'important, c'est que les femmes et les hommes, aujourd'hui, puissent avoir le même accès, la même égalité des chances. Et donc, on veut voir des femmes, en effet, au plus haut niveau. Et merci encore, Madame Zimmermann, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci, merci Madame la Douce. Martine, juste avant que tu prennes la parole, je voudrais juste te dire un petit mot, parce que vous parlez de mixité. Je pense que la mixité aussi est importante dans toutes les strates. Je donne juste 2 minutes mon expérience personnelle. Je suis très contente de voir Monsieur Thérien. J'ai fait l'IFA en 2015. Et moi, je suis tombée dans la politique à 20 ans. Mais après, je me suis dit qu'il fallait impérativement que je puisse avoir une expérience dans le monde économique, parce qu'il est très important que les politiques ne restent pas dans leur monde. Et donc, pendant 8 ans, j'ai été dans le plus grand groupe d'édition européen, et donc au COMEX. Et c'est par cet intermédiaire que, du coup, je me suis dit qu'il faudrait que je me perfectionne, parce que je n'avais absolument aucune notion en finance. Et j'ai fait l'IFA, et vraiment, c'était une expérience formidable. Mais après, je me suis heurtée à une humiliation totale, c'est-à-dire que les cabinets de recrutement, je ne rentrais dans aucune case. Je n'étais pas étrangère, je ne parlais pas 3 langues, je n'étais pas des amis qui sont chers, hein, Véronique Morali, Patricia Barbizet, etc. Et donc, soit on me disait, vous ne rentrez pas dans le moule, et donc on n'a rien pour vous, alors je pense qu'après 20 ans d'expérience politique, dans plein de domaines différents, je pouvais apporter au contraire des qualités d'adaptation et de sensibilité, ou d'intuition même, ne serait-ce d'intuition politique. Et on a besoin de ça dans les conseils d'administration. Il y a la stratégie, ça se fait aussi par là. Ou alors, en effet, j'allais piquer la place, entre guillemets, de celles qui ont les 5 postes dont elles ont droit, puisque la loi limite à 5 postes de conseil d'administration. Et donc, je suis entrée dans quelques réseaux, et c'est vrai qu'il n'y a pas de compétition entre les femmes, et c'est très bien. Mais il faut aussi, en effet, que ces hommes qui sont encore au pouvoir soient rassurés d'aller un peu au-delà de ce qu'ils connaissent déjà, soit de coopter les amis, enfin, j'ai eu même pire, des épouses d'amis, parce que du coup, on reste dans l'entre-soi, hein, voilà. Soit, en effet, de pouvoir permettre à cette mixité aussi des talents dans le monde de l'entreprise. On vient de parcours très différents, et je pense, tu as tout à fait raison, Chiara, de dire que j'étais rapporteure sur la loi de programmation de la recherche, et donc notamment en numérique et en informatique, on manque cruellement de femmes. Mais je pense aussi que c'est bien de pouvoir, en effet, continuer à avoir des gens qui viennent d'un autre secteur que celui pour lequel vous allez postuler. Et donc, c'est vrai que je voulais vous donner ce message-là, parce que c'est une expérience du coup assez humiliante, en fait, de dire voilà, j'ai pourtant bien réussi à mon grand oral à l'IFA, et j'étais contente, mais en fait voilà, toutes les portes se sont refermées parce que je ne rentrais pas dans un moule. Il n'y a c'est que Françoise de Panafieux et moi qui avons fait l'IFA comme personnalité politique, et donc voilà, j'aurais bien aimé. Voilà, mais c'était une petite expérience personnelle, mais je dois dire que important. Là, c'est pas trop tard, hein. Je sais bien. Mais j'aurais peut-être une deuxième vie ou une troisième vie, d'ailleurs, parce que bien évidemment, j'ai l'intention. Mais du coup, voilà, c'est... Et donc, moi, j'ai bien l'intention de continuer à travailler, justement, sur un texte sur les COMEX et sur ces sujets-là, et même aussi sur le code AFEP-MEDEF, parce que je pense qu'il y a des choses encore à améliorer. Et peut-être que, du coup, mon expérience à l'IFA aura au moins permis à ça de me dire qu'il y a des choses encore à améliorer sur le plan législatif, et que, du coup, je suis impliquée d'autant plus dans ces sujets. Pardon d'avoir parlé, mais je voulais vous donner cette expérience qui était... Je voulais juste profiter, mais alors très 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 rapide. Merci d'avoir évoqué un point qui nous avait beaucoup interpellés à l'époque, c'était les cumuls de mandats. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement, à la suite de ce que je viens d'entendre, il faut au moins poser la question. Parce que, alors... Le problème, il va être très clair, c'est que j'en ai beaucoup discuté avec le Haut Conseil à l'égalité, et quand on fait les statistiques, on se rend compte que les femmes cumulent énormément. Donc, est-ce que... Ah si,
Bah écoutez, les chiffres sont là, malheureusement. Et je dirais que, bon, moi j'ai, vous savez, en 2011, on ne pouvait pas imposer un cumul parce que c'était dans la proposition de loi, je ne vous le cache pas. Et on l'a enlevé tout simplement parce que nous-mêmes, en tant que politiques, on ne s'était pas appliqué le cumul de mandat. Aujourd'hui, au niveau politique, on a le cumul à deux mandats. Et moi, je pose aujourd'hui la question officiellement, et je suis très contente que Laure ait abordé ce sujet, parce que ça me taraude depuis un certain temps. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas aussi un tournant pour se poser la question éventuellement d'un cumul de trois mandats pour les conseils d'administration? Voilà. Alors, ça introduit complètement la question notre... est posée. Maintenant, c'est vous, le législateur, à travailler. Martine, je te laisse la parole. Je suis désolée de cette question, mais ça introduit en effet tout à fait le fait qu'il y ait sûrement des évolutions pour cette loi, à cette loi de 2011. Donc, Martine, je te laisse la parole. Et si tu devais rejoindre aussi l'hémicycle, n'hésite pas. Je resterai bien évidemment avec nos invités jusqu'au bout. C'est vraiment la moindre chose. Et pardonnez-nous pour ces bouleversements. Et puis je trouve que c'est quand même vraiment cette table ronde. Moi, j'y tenais aussi particulièrement, comme Joël et mes collègues. Et donc, on prendra le temps encore qu'il faudra. Oui, merci, Madame la Présidente. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas prévu de retourner dans l'hémicycle. Donc, je serai avec vous jusqu'au bout. Voilà, je voulais donc remercier les différentes intervenantes qui se sont exprimées. Et en particulier, bien sûr, Marie-Jo Zimmermann. Et faire le constat que toutes les interventions me semblent converger à ce moment, à savoir que la loi de 2011 a vraiment permis des avancées considérables en matière de parité économique, mais que la loi a aussi ses limites. Et donc, si vous me le permettez, faire une courte synthèse pour poser justement les limites que nous avons les unes et les autres repérées. Tout d'abord, la loi de 2011 ne concerne pas de la même manière toutes les entreprises. En effet, les quotas imposés par la loi de 2011 ne sont atteints que dans les entreprises cotées du SBF 120. Pour les plus petites capitalisations, les femmes étaient moins d'un tiers dans les conseils d'administration en 2018. Les entreprises non cotées de 500 salariés plus et au moins 50 millions d'euros de chiffre d'affaires comptaient, elles, moins de 25% de femmes au sein de leur conseil d'administration en 2019. Enfin, les entreprises de 250 salariés et plus et 50 millions de chiffre d'affaires concernées par les mêmes quotas depuis le 1er janvier 2020 n'ont pas encore atteint l'objectif de 40% de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance. Deuxième constat, la loi dite Copé-Zimmermann, ne concerne que les conseils d'administration et de surveillance. Les véritables instances décisionnaires ne sont donc pas concernées par les contraintes qu'elle a mises en place. Cela a été repéré dans les différentes interventions. Les quotas imposés n'ont ainsi pas encore aidé les femmes à pousser la porte des comités exécutifs, COMEX, ou des comités de direction, CODIR. En France, dans ces lieux de pouvoir qui ne sont soumis à aucune contrainte légale, les femmes occupent moins de 20% des postes dans le SBF 120. Troisième constat, enfin, la question du contrôle de l'application de la loi est primordiale. Or, c'est en partie là que le bât blesse. Si le suivi de l'application de la loi est transparent s'agissant des grandes capitalisations boursières, il est plus aléatoire pour les autres entreprises, pourtant aujourd'hui soumises au même dispositif contraignant. Il semble que l'État manque d'outils et surtout de moyens pour contrôler l'application des dispositifs de parité économique qu'il a lui-même instaurés. Alors, la question qui est devant nous, c'est de savoir quelles sont les perspectives d'évolution aujourd'hui. Faut-il modifier la loi, s'inspirer d'exemples étrangers, instaurer des chartes de bonnes pratiques à mettre en œuvre dans les entreprises en matière d'accès des femmes aux responsabilités économiques, s'en remettre à l'action des régulateurs économiques pour évoluer vers plus de parité
dans les responsabilités à tous les niveaux. Alors, je pense que vous n'avez pas été sans noter que lundi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé devant nos collègues de la DDF à l'Assemblée nationale être favorable à l'instauration de nouveaux quotas dans les entreprises pour faire progresser l'égalité hommes-femmes, non seulement l'égalité salariale, mais également l'égalité en matière de gouvernance. Comme nous toutes, je crois, il a trouvé regrettable qu'une seule femme dirige une entreprise du CAC 40 et a déploré que les comités de direction ne comptent aujourd'hui que 17% de femmes. Pour favoriser l'accession des femmes à des postes de direction dans les entreprises françaises, il s'est dit favorable à l'instauration de quotas et a déclaré « il faut maintenant être capable de passer la vitesse supérieure et donc de rentrer dans une logique plus ambitieuse qui passe par des quotas ». Et donc, j'allais dire, l'ouvrage est maintenant sur le métier. À nous de saisir la balle au bon et de travailler dans le bon sens pour faire que la loi puisse donc progresser. Et pour ce faire, nous nous proposons de demander conseil, avis, proposition, piste de travail à Madame Françoise Savès, qui est présidente de l'Association des femmes experts comptables et qui est engagée pour permettre à davantage de femmes de participer au véritable lieu de décision dans l'entreprise. Et vous prendrez ensuite la parole, Monsieur Denis Terrien, dont notre présidente a déjà vanté les mérites, qui est président de l'Institut français des administrateurs. Donc nous comptons sur vous, comme vous l'avez compris, pour nous inspirer dans notre travail à venir de parlementaire. Merci. Merci Madame la Sénatrice, merci Madame la Présidente de m'avoir invitée à cette table ronde. Merci Madame la députée Zimmermann de nous avoir resitué cette historique. Je voulais d'abord vous dire que l'association que je préside a été créée en 2011 dans une idée bien précise, c'était celle d'accompagner le déploiement de la loi Copé-Zimmermann. Nous avions deux axes de travail, c'était d'une part utiliser le réseau des experts comptables au plus près des entreprises, experts comptables et commissaires aux comptes, puisque mon association regroupe également les femmes commissaires aux comptes. Accompagner la loi Copé-Zimmermann au plus près de toutes les entreprises et également former les femmes experts comptables qui souhaitaient rejoindre un conseil d'administration. S'appuyer sur ces femmes qui, dans la profession, seraient motivées pour évidemment servir d'exemple dans la sphère qui est la nôtre, la sphère financière. Pendant 4 ans, de 2014 à 2017, nous avons étudié le déploiement de cette phase, on va dire, de sensibilisation de la loi Copé-Zimmermann avant d'arriver à 2017, année d'application. Ce que nous avons constaté, on l'a déjà dit, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'on constate en 2017 ? Qu'on n'est pas tout à fait dans les clous. Que seules les entreprises qui sont très médiatisées sont dans les clous. Et que vous avez beau prendre la cote, nous avons étudié pendant 4 ans les 625 entreprises que nous avions ciblées sur la cote, des 3 compartiments. On avait rajouté l'Alternext. On était dans le quota uniquement sur les entreprises très médiatisées. Et plus on descendait, évidemment, plus on perdait les entreprises pour arriver à peine à 28%. L'année d'après, nous avons décidé d'aller plus loin et d'essayer de repérer toutes les entreprises françaises qui rentraient dans les chiffres de chiffre d'affaires effectifs, qui étaient donc concernées par la loi Copé-Zimmermann. Nous avons décidé que nous ne voulions pas arrêter notre étude aux entreprises cotées, puisque le CAC 40, le SBF 120, on voyait bien qu'ils y étaient presque et qu'ils y seraient. Nous voulions
réellement connaître. Nous nous sommes heurtés à deux choses. La première des choses, c'est l'information. Dès que vous arrivez, dès que vous voulez connaître l'ensemble des entreprises soumises à la loi, des plus petites, c'est d'abord le problème de la collecte de l'information. Ensuite, un autre frein nous est apparu. Dans ces entreprises, vous descendez dans la taille des entreprises en France, c'est vous n'avez plus de conseil d'administration, vous n'avez plus de conseil de surveillance, vous n'avez plus de SA, vous avez le grand succès de la SAS. Et dans la SAS, depuis maintenant 10 à 15 ans, les comités, la gouvernance est organisée comme les statuts le souhaitent. Il y a une liberté statutaire concernant la gouvernance des SAS et un grand succès de la SAS. Nous avons donc vu deux limites. Nous avons vu se réduire considérablement, plus on étend la loi, on a vu se réduire considérablement la base et la difficulté de collecter l'information. Alors, nous avons dit, nous, femmes experts comptables, comme vous l'avez dit, mesdames des réseaux, notre association, qui donc s'est vraiment construite pour accompagner le déploiement de cette loi, évidemment, nous avons dit, s'il y a bien des personnes qui vont être en première ligne pour pousser dans les entreprises, ce sont les femmes experts comptables. J'ajoute, comme mes collègues, que les hommes sont adhérents aussi de l'association quand ils ont envie de pousser les idées que nous développons. À partir de là, on s'est dit, il y a un problème de connaissance et il y a un problème d'absence d'organes de gouvernance dans beaucoup d'entreprises françaises. Donc, descendre les seuils, pourquoi ? Faire une loi et des sanctions, et entre les deux, que se passe-t-il ? Il y a un problème de déclaration et il y a un problème de contrôle. Il n'y a pas de loi qui puisse prévoir un cadre et des sanctions sans qu'au milieu, il n'y ait pas de trou dans la raquette. Et le trou dans la raquette, c'est la déclaration. Nous sommes un pays, la France, qui est un pays déclaratif. Et nous devons déclarer et nous devons contrôler. Et déjà, le fait de déclarer est une mesure vertueuse. Parce que qui dit déclarer dit qu'on a une obligation. Tout marche comme ça en France, la fiscalité, le social. On déclare, on a donc des conseils qui n'hésitent pas à vous rappeler qu'il faut déclarer. Et que s'il faut déclarer et que si vous ne déclarez pas, il y a des sanctions au bout. Il y a actuellement une méconnaissance de la loi, des seuils, il y a une absence de déclaration et il n'y a pas de contrôle. Donc la loi, oui, les COMEX, les CODIR, les sanctions de plus en plus sévères, mais il faut combler le trou dans la raquette. Alors moi, j'ai deux propositions à faire en ce qui concerne la déclaration et le contrôle. En ce qui concerne la déclaration, j'ai réfléchi en bonne professionnelle sur le terrain et je me suis dit, bon, encore une autre obligation déclarative. Et puis, je regarde et je vois l'index égalité des salaires. Tiens, en voilà donc un exemple de déclaration. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On fait un index, enfin on remplit tout ce qu'il faut pour avoir un index, on l'envoie, on le met sur le site internet de l'entreprise, on le publie. On est obligé de le publier et on l'envoie à l'inspecteur du travail. Parce que publier sur le site internet, ça ne suffirait pas. Donc je me suis dit, il y a un autre exemple qui m'est venu. Ça a été celui de la déclaration des bénéficiaires effectifs dans la loi contre le blanchiment. Voilà une loi qui, depuis 3 ou 4 ans, impose à toutes les entreprises de déclarer quels sont leurs bénéficiaires effectifs dans le cadre de la lutte pour le blanchiment. C'est-à-dire qu'on est même allé chercher à l'intérieur de l'actionnariat les personnes qui sont en situation d'être un bénéficiaire effectif de l'entreprise, quel que soit son statut a priori officiel, juridique. Est-ce qu'il est, en fonction de critères, un bénéficiaire effectif ? La loi sur le blanchiment, le registre des bénéficiaires effectifs. Alors je me suis posé la question, j'ai dit, mais qui donc
s'occupe en France du registre du commerce et des sociétés. Eh bien, ce sont les greffes des tribunaux de commerce. Je me suis d'ailleurs, c'est peut-être moins le sujet aujourd'hui, mais je me suis aussi demandé, mais un jour, il va peut-être falloir aussi se poser la question des associations, des syndicats professionnels, des organisations diverses. Et je me suis dit, il y a bien le registre national des associations qui sont tenues par les préfectures. Donc, nous avons l'arsenal. J'ai donc proposé que de manière simple et peu coûteuse pour les entreprises, nous ayons une obligation de déclarer auprès des greffes, de tribunaux de commerce par le GIE InfoGreffe, en ligne, chaque année, au moment où on dépose les comptes et le rapport de gestion, et toutes les obligations qu'ont les entreprises de chaque année déposer le procès verbal d'affectation des résultats, sans le rapport de gouvernance et le rapport de gestion, et également les comptes annuels. Je rappelle entre parenthèses que toute nomination d'administrateur est enregistrée obligatoirement au greffe, donc l'information est liée. Il faut que chaque année, de manière simple et peu coûteuse, j'insiste, parce que pour le registre des bénéficiaires effectifs, ça a été un drame, ça a été très dur pour certaines entreprises, que l'entreprise puisse déclarer, premièrement, comment est organisée sa gouvernance. Comex, CODIR, organe de... parce que ça peut être dans une SAS, ça peut être extrêmement souple, c'est la liberté statutaire de l'organisation de la gouvernance. Très bien, on définit qu'est-ce que la gouvernance, comme on l'a défini les bénéficiaires effectifs en matière de blanchiment. Là, on définit et on dit comment est organisée votre gouvernance. Voilà, et puis vous déclarez l'organe de gouvernance que vous avez et vous déclarez homme-femme. C'est des choses qu'on a eu l'habitude de faire pendant des années. On a toujours déclaré, par exemple, on avait une déclaration sur le suivi de l'apprentissage en France, où on a toujours été amené à déclarer comment se composait l'apprentissage entre les femmes et les hommes. Donc, franchement, là, aujourd'hui, on a un sujet qui est tout simple. C'est de se dire à quel moment on déclare comment est organisée la gouvernance et comment elle se compose. Et ensuite, nous allons parler du contrôle. Eh bien, le contrôle, il peut être à deux niveaux. Le contrôle, il peut être dans les entreprises dotées d'un commissaire aux comptes. Ça peut être une obligation du commissaire aux comptes que de contrôler. Et pour cela, c'est tout simple. Il faut que l'information soit dans le rapport de gestion. Si l'information concernant la parité, concernant l'organe de gouvernance, concernant la parité du l'obligation oui ou non, est-ce qu'on est dans le cadre de la loi ou non, à partir du moment où c'est une obligation qui est dans le rapport de gestion, le commissaire aux comptes, au titre de ses vérifications, va forcément devoir inclure ça dans sa mission. Et le cercle est vertueux, parce que quand il y a des sanctions et que les gens sont là pour dire « attention, il y a des sanctions, vous n'êtes pas dans les clous, on a mis plus, vous avez déclaré, si vous ne déclarez pas, vous risquez ça », bien le but, c'est de ne jamais arriver à la sanction, parce que la sanction est grave. Aujourd'hui, les sanctions sont extrêmement graves, et je suis très soucieuse de savoir qu'aujourd'hui, les délibérations d'un conseil d'administration qui est mal constitué sont nulles et que beaucoup trop de personnes ne le savent pas. Après, tout ce qui a été dit, forcément, je ne vais pas répéter. Je vais dire que nous, notre travail de conseil, c'est d'assurer au niveau du tissu français que ces règles qui ont été posées par Mme Zimmermann, par M. Copé, ruissellent dans le tissu français, jusque dans la petite entreprise, parce que je pense que c'est, vous l'avez dit, Madame, aujourd'hui, on le voit avec les entreprises à mission. Le rôle de l'entreprise est vraiment, de toute manière et à tous de taille, de s'assurer de certains équilibres en dehors des limites de l'entreprise et d'affirmer son rôle dans la société.
je pense que j'ai terminé. Et je vous remercie. Vous avez été très concrète, surtout. Oui, en plus, c'était très bien, vraiment. Merci. Et ça, je pense que ça sera le, le point de bascule de l'application de la loi. Là, c'est imparable. Merci beaucoup. J'ai toujours dit que vous savez pas, Agnès Bricard, Françoise, elles m'ont aidée. Vous savez même pas comment. C'est des femmes exceptionnelles. Ah, vraiment. Bon, merci. Je vous remercie. Mais c'est vrai, que nous avons. C'était un vide, voilà. et là-dessus, moi, je suis très heureuse que. Moi, je le préconisais, et on me disait, mais. C'est-à-dire, il faut toujours se replacer en 2011. Je dirais qu'il fallait y aller progressivement, et depuis 10 ans, si vous voulez, tant qu'on était dans la majorité, bon, je pouvais l'imposer. Après, il y a eu d'autres priorités, malheureusement. Et là, je vous remercie beaucoup. Et ça, il faut que ça fasse date. Mais c'est important aussi de dire que ça doit être connu, publié. Hein, les informations qui sont au greffe tout à fait. Doivent être accessibles. Et je peux vous garantir que vous avez un nombre d'universitaires, un nombre, comme l'a dit madame, que nous avons entendu tout à l'heure, de personnes qui ont un mal fou à obtenir les informations. Absolument. Donc, comment voulez-vous qu'une loi soit appliquée si personne ne sait, et si personne ne regarde, et si même celui qui veut regarder ne trouve pas ? Mais d'ailleurs, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est que, autant tout ce qui est impacté par la loi Copé Zimmermann, il y a ce contrôle grâce à Florian de Saint-Pierre, entre autres. Mais, et puis, il y a eu également M. Le Péchon qui m'a beaucoup aidé, alors bénévolement, à récolter des informations. Et bon, moi-même, je suivais. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, il faut l'ancrer. Ça a été, une loi qui a lancé un système, et aujourd'hui, il faut l'ancrer juridiquement. Il faut donc créer cet index, index de la parité dans la gouvernance française. Tout à fait. Il faut assortir ça de quelques critères de définition de ce qu'est la gouvernance, parce qu'il ne faut pas s'arrêter au COMEX, CODIR, puisqu'on a beaucoup de structures différentes. C'est ça. Il faut aller sur les associations. Il faut aller aussi dans le milieu associatif. Il y a de très belles, très grandes associations qui méritent aussi qu'on se pose la question. On a les registres et voilà ce qu'il faut faire entre les deux. Merci infiniment. Nous allons donner la parole à le seul homme de notre table ronde, pas des moindres. Et comme ça, en plus, on finira par vous, monsieur. Merci d'avoir été patient, mais je pense qu'en effet, vraiment, cette table ronde était très riche et importante. Donc, nous vous écoutons et n'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faudra. Merci de votre accueil et merci à toutes des témoignages. Je suis aligné avec à peu près tout ce qui a été partagé. Donc, je représente ici l'IFA, l'Institut français des administrateurs. Notre souhait, c'est de promouvoir une gouvernance responsable, créatrice de valeurs durables en respectant le bien commun. Donc, nous sommes la plus grande association en France d'administratrices et d'administrateurs. On a plus de 4000 membres et tous les mois, c'est à peu près 500 personnes qui travaillent dans nos clubs et commissions pour réfléchir sur la gouvernance. Alors, l'IFA s'est engagée d'une manière très déterminée sur ce sujet. 50% de notre conseil d'administration est féminin. Tout à l'heure, on parlait de la prochaine présidente de Michelin, mais sachez que nous avons à notre conseil d'administration, c'est Angeles Poveda, qui est la présidente d'une autre société du CAC 40, Le Grand. Et en plus de ça, elle est étrangère. Voilà, donc Angeles fait partie de notre conseil d'administration. Quand j'ai été élu il y a 2 ans, la première décision que j'ai prise, c'est j'avais demandé ça même avant mon élection, de changer les statuts pour pouvoir nommer une coprésidente, ou un coprésident, et nous avons nommé une coprésidente, en l'occurrence Guylaine Dièvre, qui est secrétaire générale de la BNP. Autre élément aussi, j'ai aussi nommé une déléguée générale de l'IFA, Karine de Guinsos, qui est donc déléguée générale en femme. Si jamais on regarde nos comités, on va revenir là-dessus, notre comité de nomination est présidé par une femme,
Et plus de 50% du bureau est aussi féminin. Et enfin, j'ai institué une règle, c'est que pour toutes les clubs et commissions, nous en avons à peu près 15, tous les clubs et commissions doivent être coprésidés par un homme et une femme. Donc là-dessus, l'IFA s'est engagée d'une manière très volontaire dans l'égalité. Alors nous prenons notre part dans les défis qui ont été lancés, parce qu'effectivement, il y a eu énormément de progrès. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Tickenborg. Chaque année, l'IFA présente les résultats de cette parité avec tout un tas d'autres éléments avec Tickenborg. Et c'est le baromètre IFA et Tickenborg. Et donc, nous investissons beaucoup pour continuer de le faire. Donc oui, il y a la loi à fait pour les sociétés qui sont visibles, comme vous le disiez, et moins pour les sociétés qui sont moins visibles. Et là-dessus, donc, on a deux actions. Le premier, ça a été de créer un club des ETI, présidé par Fanny Laitier. Donc là aussi, on regarde comment est la gouvernance au niveau des ETI. Et on a créé, et on a d'ailleurs créé des recommandations sur améliorer la gouvernance des ETI, qui inclut non seulement avoir, par exemple, des administrateurs ou administratrices indépendantes, mais aussi s'appliquer cette parité. Deuxièmement, nous travaillons aussi pour aider les ETI pour lesquels, des fois, c'est moins facile d'avoir des administratrices ou administrateurs, ou elles n'ont pas les moyens de se payer un chasseur de tête, c'est que nous avons aussi une bourse mandat. Donc voici l'action que nous avons prise pour les ETI, car c'est là où aujourd'hui le combat est. La deuxième action, c'est pour la nomination dans les comités spécialisés. Parce que oui, s'il y a beaucoup de plus de femmes au niveau du conseil d'administration, les comités spécialisés sont encore très féminins. Donc là, nous avons donné l'exemple en se l'appliquant à nous-mêmes. Et ceci vient beaucoup par la formation. Et donc, il y a besoin de former les administratrices et administrateurs. Et on est heureux d'annoncer cette année qu'on va avoir formé plus de 1000 administratrices et administrateurs dans nos programmes de formation. Donc, on en avait un historique avec Sciences Po. On en a ouvert un autre avec HEC pour les ETI familiales. On en a un à Audencia aussi à Dont avec les ETI. Et d'ailleurs, la manière dont on regarde ça, c'est que chaque instance, chaque type d'entreprise à une gouvernance un petit peu spécifique. Et hier même, on lançait les recommandations sur la gouvernance des start-up à la licorne. Et on faisait ça avec le ministre Cédric O. Parce que comment on passe d'une start-up à la licorne? Là aussi, il y a des spécificités de gouvernance. Voilà. Alors, le sujet, donc sur les limites dont on a parlé, là-dessus, l'IFA s'engage très activement, premièrement en montrant l'exemple, deuxièmement dans tous nos axes de formation. Aujourd'hui, la question est est-ce qu'il y a besoin d'élargir ça au niveau des COMEX et CODIR? Donc là, je vais vous répondre avec une autre casquette que j'ai, hein, aussi dirigeant et président d'entreprise. J'ai été la première personne à nommer une femme comme présidente d'une institution financière en France, en l'occurrence Cofidis. Et même sur la boîte technologique dans laquelle j'exerce un rôle, ma numéro 2 est féminin et je vais recruter une personne féminine aussi pour continuer d'élargir en France. Donc j'ai eu un travail effectivement d'affirmation pour m'assurer qu'il y ait cette équité au sein de l'équipe dirigeante. En revanche, mettre une loi de pourcentage m'inquiète et je vais vous dire pourquoi. J'ai eu la chance de travailler dans des univers très féminins, dans l'univers de la mode ou dans l'univers des crèches. Dans l'univers de la mode et des crèches, dans la mode, c'est à peu près 80% des employés sont féminins. Et donc, on voit très bien au comité de direction, en gros, 60 à 80% des personnes sont féminins. Dans l'édition ou dans les crèches, 95% des employés sont féminines. Et donc, au comité de direction, c'est que des femmes. Donc là, on aurait le problème inverse. Donc la règle que je soutiens en tant que dirigeant n'est pas de mettre un pourcentage 40%, mais que ce soit un ratio par rapport aux employés dans l'entreprise, voilà, dans le secteur. Et d'ailleurs, on peut voir que la mesure des personnes dans les COMEX, les quatre
sur les 7 entreprises du CAC 40 les plus en avance, 4 sont dans les secteurs de la beauté et du luxe, LVMH, Hermès, Kering et L'Oréal, parce qu'il y a des talents dans cette entreprise qui grimpent. Donc, moi, ma recommandation n'est pas une loi absolue, parce que j'entends aujourd'hui que ça y est, mais beaucoup plus relative à, aux employés qu'il y a ou au cadre qu'il y a. Et ça aussi, c'est mesuré. Le nombre de femmes dans une société est mesuré, le nombre de cadres dirigeants est mesuré, et mettons une loi en relativité par rapport à ça. Alors, je sais que c'est un peu plus délicat, c'est plus facile de mettre un cadre absolu, mais ça répondra à la dynamique des entreprises. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Deuxièmement, aussi, il y a une question de temps, parce que pour former quelqu'un pour rentrer au COMEX ou au CODIR, il faut un certain nombre d'années. Et donc, là aussi, dans cette période d'adaptation, je suis tout à fait sur le comply or explain, et il faut que le DG dise en début d'année, voilà, voici les actions que je vais mener pour avancer sur cette diversité, et qu'après, ils viennent se réexpliquer au conseil d'administration, disant voilà ce que j'ai mené. Donc ça, c'est vraiment les deux recommandations que nous avons. C'est si jamais il y a un pourcentage qui est mis en liaison avec les employés, hein, ou le type d'employé, et deuxièmement, qu'il y ait un temps quand même, car on ne forme pas un patron de la R&D de Peugeot ou patron des usines de Renault en 3 ans. Il faut plusieurs années pour arriver à ça. Donc là-dessus, sur cette formation, on assiste beaucoup. Voilà les recommandations que j'avais à vous faire. Merci infiniment. On était en train de se dire qu'en même temps, les quotas, vous savez, en politique, on a été obligé de venir vers la parité. On n'avait pas du tout apprécié d'être comparé à des quotas laitiers, mais c'était obligatoire. Et si nous ne l'avions pas fait, nous serions encore en très 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 forte minorité. Et nous ne sommes pas encore à la parité au Sénat, mais ça progresse. Et malheureusement, c'est compliqué, mais souvent, on n'a pas trop le choix que de fixer un seuil pour que ça motive aussi les gens de le faire. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, en effet, il y a des hommes qui s'inquiètent de se dire « mais nous serons sûrement minoritaires maintenant dans certains domaines, et donc il va falloir nous aussi qu'on progresse ». Et comme me disait Valérie Douchet, notre directrice, ça ferait peut-être du bien aux hommes d'être dans les crèches. Voilà. Donc, je voudrais dire... Bon, je vous laisse la parole. Non, allez-y, si vous voulez échanger. Non, je voudrais simplement dire quand même, pour revenir un petit peu sur l'histoire, on a toujours refusé de parler de quotas, ce qui avait d'ailleurs été refusé en termes de politique, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on l'a répété à nombreuses reprises, mais c'est vrai que le terme de parité avait été choisi parce qu'effectivement, c'était beaucoup plus valorisant, c'était une notion d'équité aussi, et c'était extrêmement important. Et ça rejoint aussi ce que vous dites sur ces questions d'équilibre nécessaire. Pardon, je referme la parenthèse. Marie-Jo. Alors, sur le temps, ça, je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, on ne peut pas imposer en un temps très court. Et d'ailleurs, la loi sur les conseils d'administration, c'était 6 ans. Et je voulais rappeler aussi, tout à l'heure, par rapport aux statistiques, que en 2014, Najat Vallaud-Belkacem descend à 250, elle a donné un délai de 6 ans de nouveau. Donc, si vous voulez, je crois que sur le temps, tout le monde s'accorde là-dessus. Alors, sur les secteurs, je crois que là aussi, au niveau du MEDEF, il y a un questionnement. Et un questionnement réel. Et là, je crois que, si vous voulez, c'est l'intelligence, à mon avis, du gouvernement, du législateur, qui va résoudre le problème, je crois. Parce que vous avez raison de l'évoquer, parce que c'est tout à fait différent. Comme je le disais tout à l'heure, moi, ma préoccupation depuis que j'ai
je me suis mise à travailler sur cette question, donc ça fait il y a un certain temps, en 2002 notamment, ça a été l'application de la loi sur l'égalité professionnelle sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, je crois, si vous voulez, que si aujourd'hui on se pose la question des CODIR et COMEX, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas respecté la loi Génisson, entre autres. Voilà, on va être très clair là-dessus. Et donc, on ne peut pas rattraper avec un texte, mais il y a un mix d'affaires, c'est ce que j'ai expliqué hier à la ministre. Je crois qu'on peut, il ne faut pas imposer sur les CODIR et les COMEX, il faut aujourd'hui taper du poing sur la table et dire il faut appliquer les lois sur l'égalité professionnelle sur l'ensemble de l'entreprise et automatiquement, avec une incitation sur les CODIR et les COMEX, il y aura davantage de femmes. Mais là, excusez-moi, enfin bon, c'est quand même dur d'entendre, d'être obligé de dire ça en 2021. Donc je suis, moi, vraiment... tu vois, c'est vraiment l'aspect, moi, qui m'a toujours taraudé. Et ça continue à me tarauder parce que c'est sympathique de vouloir... légiférer sur les CODIR et les COMEX, mais non d'une pipe. Pourquoi il n'y a pas de femmes dans les CODIR et les COMEX? Pourquoi on parle de fissurer le plafond de verre et non pas de l'exploser? Parce qu'on n'a pas respecté la loi sur l'égalité professionnelle qui était excellente en 2001. Voilà. Donc maintenant, je crois qu'à un moment donné, le législateur que j'ai été tape sur la table et dit « Bon, stop, c'est très bien, tout ce qu'on propose pour le contrôle de la loi, pour tout ça, bravo, merci. » Et aujourd'hui, on est dans le moment où on peut le faire, mais stop de simplement légiférer sur la partie... De ce qu'on appelle la direction. Aujourd'hui, appliquons la loi Génisson sur sur l'égalité professionnelle. Et excusez-moi, je vais être iconoclaste dans ce système, mais en 2017, on a commencé très mal avec les ordonnances. On a tout dégagé. Donc aujourd'hui, c'est très sympathique, sauf qu'aujourd'hui, il faut revenir à l'essentiel qui est l'égalité professionnelle. Et ensuite, on sera respecté. Sinon, on ne sera pas respecté. Voilà. Madame la Dimon, vous voulez rajouter... Non, mais un petit coup de gueule de fin de table ronde, c'est bien, Marie-Jean. Je pense que c'est très important parce qu'il s'agit de la responsabilité des entreprises. C'est et ça. Du coup, il y a cette attente, et je suis entièrement d'accord que c'est la face visible de l'iceberg, en fait, les COMEX. Hein. Et donc, c'est vrai que c'est important, de légiférer. En même temps, c'est important qu'à la base, justement, que ce soit en matière de recrutement, en matière d'application de la loi, donc l'index pénico a été un outil important, mais il est maintenant, disons, à revoir, peut-être pour aller plus loin. Moi, ce que je voudrais juste dire pour répondre, en effet, je sais bien qu'il y a la question des secteurs, en disant, mais oui, mais c'est impossible d'avoir 50% de comité de direction dans un secteur où il n'y a que 20% de femmes. Je pense que si... Enfin, je sais bien que c'est un questionnement qui est légitime. En même temps, je pense qu'on peut donner un peu plus de temps, mais réellement, si on s'enferme en se disant qu'on va avoir une loi pour les secteurs où il y a déjà 50% de femmes ou plus et pour ceux qui en ont moins, c'est un piège absolument terrible qui va ralentir complètement les progrès dans ce secteur-là. Parce qu'il y a des exemples. Ce n'était pas mon point, madame. Je ne disais pas pour les secteurs dans lesquels il y a 50% de femmes, parce qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a plus de 50% de femmes. Oui. Donc c'était mettre de l'équité par rapport... aux personnes. Donc dans les secteurs dans lesquels il y a 80% de femmes, équilibrer un petit peu dans l'autre sens. Oui, bien sûr, la parité. Et dans 80% d'hommes, équilibrer. Mais attention, ce n'est pas qu'une vision. D'accord. Mais je crois comprendre que le MEDEF s'interroge sur ces questions-là, justement, des secteurs dans lesquels il y a une minorité de femmes et de se dire comment elles vont pouvoir accéder. Donc, excusez-moi si je vous ai mal compris, mais c'est vrai que ça faisait référence, à cette interrogation. Et je pense que pour nous qui sommes dans les entreprises où il y a moins de femmes, je dirais que si on arrive à légiférer, que nous puissions au moins avoir la même aspiration et le même espoir que les autres secteurs.